au domaine des sources dans le fin fond sungovien. Voici Christian, l'un des plus grands éleveurs de chevaux d'Alsace. Plus qu'un métier, c'est une passion qu'il vit au quotidien depuis une vingtaine d'années. Propriétaire de 50 chevaux de race française, il a vu son élevage s'agrandir pas à pas. Ces chevaux, il les fait naître, les débourre, les élève jusqu'à ce qu'ils soient vendus. L'objectif est de les mettre en valeur le mieux possible et pourquoi pas en faire des étalons qu'il vendrait aux quatre coins du monde. Un bon cheval, c'est déjà une bonne génétique, bien élevé et bien travaillé pour des cavaliers professionnels ou amateurs. En Alsace, on a quelques bons cavaliers professionnels qui ont déjà acheté des chevaux chez nous. On a beaucoup d'amateurs qui ont acheté des chevaux chez nous aussi. Donc la plupart des chevaux sont restés en Alsace. Il y en a qui sont partis à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, en Argentine, aux États-Unis, un peu partout. L'allure, la beauté, le physique, mais aussi le saut d'obstacle, les chevaux seront soumis à un jugement tout au long de leur évolution. Ici, une vingtaine de chevaux participent à des concours. Thierry est juge national, il se rend souvent à l'élevage des sources pour conseiller Christian. Je suis régulièrement en contact avec mes amis éleveurs qui ont une idée de leurs chevaux et qui aimeraient être confortés ou aimeraient avoir plus d'explications sur leurs chevaux, et je leur donne un avis détaché sur le modèle, sur le physique de leur jeune poulain. Là, sur l'élevage des sources, on trouve des chevaux de qualité, ça c'est sûr. Et effectivement, l'année dernière, Christian et son équipe, ils ont un 2 ans qui a été bien à Saint-Lô, donc le sud du Sungo jusqu'à Saint-Lô, ça fait beaucoup de kilomètres, mais le résultat était en conséquence, le cheval est de qualité, et on va le retrouver cette année dans les qualifications des 3 ans, et j'espère la finale. Nous sommes au Haras Nationaux à Pfaffenhofen un dimanche après-midi. C'est la tradition, chaque année les étalons sont présentés au public. L'objectif pour les éleveurs, faire son choix ou pas pour d'éventuels saillies qui peuvent valoir entre 700 et plus de 1200 euros. La star de la saison, c'est Négus de Palma, fils d'un étalon de renommée internationale. Il restera en Alsace et fait la fierté du domaine de Pfaffenhofen. Mais 2012 est une année charnière pour les haras nationaux menacés de fermeture. Cette présentation avait un enjeu tout particulier. Le but final, c'est qu'il y ait un transfert d'activité des haras nationaux vers les associations de régions en France, et donc en 2013, c'est les associations de régions qui vont s'occuper de tout ce stock d'étalons et qui vont gérer les stations, soit ils sont vendus, soit ils disparaissent. Toutes les stations, il y a la moitié les trois quarts des stations, ils vont disparaître. La ville de Pfaffenhofen et le conseil général ont déjà pris les devants pour restructurer les haras nationaux. Dans 6 mois sera créée une association qui gérera la station de Pfaffenhofen.